traversé aujourd'hui la ville de Val d'Or, c'est en bois vert, ou des cyprès, des pas près d'un pied de diamètre. On avait coupé un chemin de 15 pieds de large. Puis il y avait à l'extrémité quatre bâtisses en bois et colle qu'on appelait la Rideautier. C'était le commencement de mine. Et alors, un hiver, il y avait une cinquantaine de Canadiens qui étaient là, qui m'ont invité parce que je suis allé donner la mission là. Oui. Il y avait une mine à Val d'Or à ce moment-là? Ah, bien, il y avait juste cette petite mine. Le reste, c'était en bois de boue. Il n'y avait aucune habitation dans Val d'Or. Il faut voir ce qu'est Val d'Or aujourd'hui. Oui, vous avez vu le programme. Une belle petite ville aujourd'hui pour le Nord. Hein? Et vous avez vu ça? C'était en arbre avec... Ah, mis ça en bois de boue. Il ne reste rien à Val d'Or actuellement de l'époque? Je ne sais pas si ces bâtisses-là n'existent pas encore. Je ne sais pas. C'était de quelle bâtisse vous avez parlé? La Rideautier. Hospitalier. Quand ça a bien rendu aux mines, ensuite il y avait un accueil des plus sympathiques. Il faut la porte tardée, la messe basse le matin, après 5 heures du matin, parce que la messe se célébra dans la cuisine. Puis le déjeuner se donna à 6 heures, comme disait Standard Time. Bon, 6 heures. Il a toujours donné un quart d'heure de relais, n'est-ce pas, au cuisinier. Moi, pour que j'enlève mes objets liturgiques, puis lui mettre ses chaudrons. Alors, les mineurs étaient bien généreux. Ils se levaient, n'est-ce pas, à 4h30. Ils s'éveillaient à 4h30, puis ils venaient à la chapelle. Image désolante que celle d'une mine abandonnée. Il y en a plusieurs dans le pays. En 40, c'était la guerre. Les priorités. Le fer, le cuivre, tous les métaux de base trouvaient preneur à prix d'or. On sait bien, on ne fait pas des canons avec de l'or. Et depuis, eh bien, Washington contrôle et gèle le prix de l'or, alors que le coût d'extraction, lui, monte en flèche. M. Bérubé, on a eu l'impression quand même que l'économie basée sur des mines, c'était une chose qui était précaire. Ça vous fait pas peur quand même d'affaires, ça, pour investir des capitaux importants comme ça? C'est vrai que la vie des mines est éphémère, mais il se fait de nouvelles découvertes. L'avenir devrait être bon ici pour plusieurs années. Je le pense bien. Sur quoi vous basez, M. Bérubé, pour me dire que l'avenir va être bon ici dans quelques années? Ben, il y a beaucoup de mines en production actuellement. Il y a des mines en production actuellement. On a des mines en exploration. On a des gisements connus qui ne sont pas en production, mais qui le deviendront sûrement avec les années.